bienvenue dans un jeu artistique. Alors que Gordon Freeman arrive sur Black Mesa Est, vous avez trouvé une cachette secrète, la cachette secrète des gènes. Aïe. Sauf que j'ai absolument pas besoin de cachette secrète maintenant parce que je suis full. Après Half-Life, là c'est full life. Oh, le jeu il s'appelle Half-Life parce que t'es tout le temps à la moitié de ta vie. Ouais, t'es tag François lance juste des pénis. Yep. Bonjour, tu es un con. Eh merde. Et j'ai loupé l'entrée. Non, elle est juste là. Allez, c'est l'heure de passer à la douche. On a quelque chose. Ok, c'est humain. C'est moi. Y a quelqu'un? Oui, c'est moi. Ça va aller. Vous ne craignez plus rien. Désolé pour le scan, mais on ne peut prendre aucun risque. Oh, nickel. Docteur Freeman? Gordon Freeman? C'est bien vous? Vous êtes arrivé tellement vite. Ellie va être stupéfait, pour ne pas dire soulagé. Yep. Je suis le docteur Judith Mossman. Non, des lasers. J'avais entendu parler de vous bien avant l'incident de Black Mesa. Black Mesa. Je vous envie d'avoir pu travailler avec Ellie et le docteur Kleiner au sommet de leur art. D'ailleurs, elle, c'est le mari du docteur Kleiner, mais la VF l'a pas compris. Quand vous écouterez la VF a pas compris que c'était... Il ne me pardonnerait pas de vous avoir fait attendre. Que Alix, c'est la fille de Ellie, de elle. Bon. Bah, honnêtement, j'ai rien besoin de péter, là, je suis full. Moi, ça me va. Un peu plus d'aide ne nous ferait certainement pas de mal. Oh, mais... Nous avons bien avancé ces derniers mois, mais tout irait plus vite si nous avions plus de personnes de votre expérience. Oui. Nous approchons d'une technologie de téléportage local fiable, ce que le cartel ne maîtrise pas encore. C'est cool. Ellie pense que leurs portails sont basés sur des chaînes, comme notre modèle Calabio, mais ils n'ont pas pris en compte le principe d'énergie vide. Ils peuvent s'infiltrer de leur univers, mais une fois ici, ils dépendent des transports locaux. S'ils savaient ce qu'on fait des accrochages... Filette Calabio. Mais qu'est-ce que je dis, moi? On dirait une étudiante. C'est juste que je suis tellement contente d'avoir enfin la chance de travailler avec vous. Techniquement, j'ai son âge. Mais... Ah oui. C'est vrai que j'ai 26 ans et je me suis fait cryogéniser. Bien plus qu'il n'aurait pu l'imaginer à Black Mesa. Vas-y, nous savons comment utiliser l'exène comme axe inexprimé. En réalité, un lance-pierre dimensionnel. On pourrait faire le tour de la zone frontalière et revenir dans l'espace local sans traverser. Voilà, Ellie. Ah bah voilà. Okay, désolé, les gars, j'ai pris un détour. Ellie, regardez qui j'ai trouvé dans le sas. John Cena. Laissez-moi vous regarder. Mon Dieu, mais vous n'avez pas changé d'un iota. Comment faites-vous? La cryogénisation. Voyons, la dernière fois qu'on s'est vu, je vous ai envoyé chercher de l'aide à la cascade de résonance. Je ne pensais pas que vous mettriez si longtemps à revenir. Désolé, le téléporteur est en panne. Bienvenue au labo. Ce n'est pas celui de Black Mesa, mais il nous sert bien. Avec Gordon pour nous aider, ça va être comme à Black Mesa. Exactement. Les diplômés du MIT sont de moins en moins nombreux. Enlevez cette combinaison pour environnement hostile et remettez votre bonne vieille blouse. Par contre, avec tout ce que j'ai traversé, j'aurais pu re-rentrer à l'intérieur, utiliser le téléporteur et venir ici directement. C'est un grand honneur. J'ai hâte de collaborer avec vous. Ouais, mais c'est un peu de l'arnaque. Avouez. Vous pouvez jeter un coup d'œil. GLaDOS en patate. Ah, salut Vortigone, ça va? Sinon j'ai pensé... j'ai une théorie pour vous. Imaginez que Portal, Half-Life, Team Fortress 2 et Left 4 Dead se passent dans le même univers. Genre tout commence avec Half-Life 1, il y a la cascade de résonance, et je me dis qu'en fait tout pourrait tourner dans le même univers parce qu'ils fonctionnent tous sur un minerai. Genre le truc qu'on fait analyser dans Half-Life 1. Qui Oh Gordon, les Vortigantes ont dit que vous étiez là. Qui a des propriétés spéciales. Vous êtes venu si vite à pied. Dans Half-Life, il fait la téléportation. Dans Portal, il maîtrise la téléportation. Il l'a bien mérité. C'est clair que vous pouvez gérer la situation tout seul là-bas. Il n'y a rien que Gordon ne puisse gérer. À part toi, peut-être.
Bill Cosby. Oh, papa. Et sinon, il y a... Et donc, voilà, dans Team Fortress 2, il y a l'Australium qui permet d'être immortel. Dans Half-Life 1, 2 et Portal 2, il y a la téléportation qui est possible grâce à... Regardez-moi ça, aux minerais qu'il faut analyser. C'est la surprise. Ah bah c'est ça, c'est le minerai, voilà. Et si ce minerai, c'était l'Australium. Et si ce minerai, c'était l'Australium... Oh, on peut faire bouger. Et si ce minerai, c'était l'Australium, et qui permettait de faire... de rendre immortel, et en plus de pouvoir téléporter. Et c'est avec ça qu'on a pu fabriquer cette machine, et voilà. Je croyais que vous montiez la garde. Et après avoir l'invasion de zombies, bah il y a la fondette de... De toute façon, je devrais être ici à travailler sur le portail. Les réparations sont sous contrôle. On a sous-estimé le Tyristor du cartel. C'est quoi le Tyristor ? Vous m'accusez, là ? Non, pas du tout. C'était une erreur de calcul, pas un problème mécanique. Alors la prochaine fois, vous devriez peut-être me laisser faire les calculs, en plus de l'installation. Franchement, Alix. Mais You, j'ai l'impression you, que ça a été mal traduit. De ne pas me comprendre. Mais j'ai l'impression que c'est sa mère, donc le fou. Non, mais c'est pas là. Gordon s'entraîner sur le pistolet antigravité. Bien sûr. Venez, Gordon. Genre, ils auraient dû se tutoyer, je pense. Mais ça a été mal traduit. Le champ énergétique point zéro n'est pas un jouet, Alix. Sortons d'ici. Je pense qu'à la base, elle dit you, du coup, ça veut plus dire tu. Mais ça a été mal traduit, et je pense que là, au lieu de dire vous. Parce que là, c'est comme si c'était distante, quoi. Je devrais peut-être mettre en VO, mais bon. Je vois que vous avez rencontré le docteur Mossman. C'est surtout à cause d'elle que je passe tant de temps dehors. Mais elle dit docteur Mossman, c'est bizarre elle aussi. Dit que c'est elle qui aurait dû être dans la chambre de test de Black Mesa ce jour-là. Pardon, je ne devrais pas parler dans son dos. Bah tu sais, ça a quand même causé une catastrophe ce jour-là. Ici. La fille Bobo. Ce vieux passage mène à Ravenholm. On ne va plus là-bas. Il y a des spooky skeletons qu'elle étonne. Allez. Bon, et si on allait par là? Ah, c'est le sas. Ok. C'est ça ce qui permet de sortir? Parce qu'on va où là en fait? Parce que là, dans le Dabo d'Alix, j'étais en sécurité. Là, on va où? On fait quoi? Je veux dire, on mène la résistance, ok, mais. Là, normalement, je devrais être pépère et installé, quoi. Je devrais aider à... Ah, je devrais aider à faire des réparations. Mais là, bon, on va jouer à la baballe. Nous y voilà. La casse. Voici le pistolet antigravité dont mon père parlait. 2000 physiques sur 20. On l'appelle aussi manipulateur de champ énergétique point zéro, si on préfère. Et à la base, c'est pour les matières dangereuses. Mais on s'en sert surtout pour porter des trucs lourds. Essayez. Yep. Ouais, trop bien. Une décharge. Un truc prouh, ouais, trop bien. C'est pratique pour oh. Oui, tu woot à toi aussi, on a compris. T'arrêtes de tout woot, s'il te plaît. Merci. La deuxième gâchette permet d'attraper des trucs que vous pouvez lancer avec la première. Quand vous avez quelque chose, appuyez sur la deuxième gâchette pour le déposer doucement. Ramassez un truc et jetez-le. C'est très rigolo. Lol. Ça c'est très très rigolo. De loin. Essayez d'attraper les canons sur le rebord là-haut. D'accord. Les galons, les bidons, mec. Apprenez à traduire. Bam, record de lancer de bidon. Et je peux grimper comme toi. Essayez d'empiler des trucs pour grimper. J'ai tout cassé ce qu'il y avait empilé. D'accord. Allez, la suite. Je tombe sur la tête. Trop drôle. Ok, c'est l'heure de jouer à la balle, mon père. Attendez, j'appelle Chien. Il adore jouer à la balle. Chien, ouais. Au pied. Bonjour, voici Chien, c'est un robot géant. Si vous vous demandez qu'est-ce que c'était que cette merde dans le Garry's Mod, eh ben c'est lui.
chien-chien. Gordon, c'est chien. Papa l'a fabriqué pour me défendre quand j'étais petite. Le premier modèle était à peu près grand comme ça. Il a bien changé depuis. Pas vrai, mon chien? Ok, chien, on va jouer avec Gordon. Il faut le pistolet antigravité. Oui. Allez, chien, lance! Mais il est très intelligent, ce chien! Ça va, Alix? Regarde-moi, Alix! Pas mal! J'attends un autre chien. Aïe! Encore un chien. Quand je me suis pris la tête dans la tronche. La caisse dans la tronche. Génial. Allez, chien, lance. Excellent. Chien, va chercher ta balle. Je crois que j'ai cassé ton robot, Alix. Allez, va chercher la balle. Va chercher. Va chercher, chien. Ouais, bien, allez, va chercher la balle. Va chercher la balle, on va jouer. Jette le chien. Faites pas attention au briscape derrière. C'est les amis qui parlent. Les questions un peu idiotes. Et bleu. Attends, il est coincé ou... On peut faire un panier. Chien, lance un truc plus gros. Non, je veux faire un panier. Faut que j'arrive à faire un panier. Non, chien. Qu'est-ce qu'il y a, chien? Mon Dieu, c'était quoi? Des scanners! Ah, le cartel balaie la zone! On doit retourner au labo! Venez, Gordon! Oui, nous devons absolument retourner au labo! C'est très grave! Allez, chien, viens avec moi! C'est Alix, tu m'entends? Alix, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe ici? Où es-tu, Alix? Nous sommes dans le sas de la casse, coincés en plein cycloto. Gordon est toujours avec toi? Il est là. Bien, je voudrais que vous... Papa? Emmène Gordon, allez vers la côte. Ne passez pas par Ravenoff. Papa? Papa! Bon sang! Chien, ouvre le sas, sors-nous d'ici. Il a bien dit ne passez pas par Ravenoff. Je me demande bien quelles sont les dernières lettres. Mais ouvre-la. Mais qu'est-ce qu'il te faut? Mais chien, ouvre-la, s'il te plaît, chien. Mais qu'est-ce qui se passe? Allez, Gordon. Je peux pas, je suis trop gros. Je suis trop gros. Voilà. Allez. Ah, non. Gordon, il faut que vous partiez d'ici. Je ne peux pas laisser mon père. Oui. Chien. Emmène Gordon au tunnel de Ravenholm, puis tourne autour et rejoins-moi. Vite! Mais non, reste avec moi parce que Ravenholm c'est dangereux. Ou alors on pourrait, tu sais, genre attendre 20 minutes qu'elle déblaye les rochers et puis on pourra s'en sortir. Non? Viens au moins avec moi. Chien! Fils de pute! Reviens! Mais laisse pas seul! Bon bah... on va à Ravenholm.
ne pas entrer, très dangereux. Ah mais j'ai le propulseur logistique maintenant. Mais mon diagnostic, pas encore au point. Bon. Je fais comment, moi ? J'aimerais bien grimper, mais il y a une sécurité sur l'échelle. Ah bah voilà. La sécurité en 2015. Allez. Vers plus de fun. Et donc, on va s'arrêter là. Et on va se retrouver pour le prochain chapitre. Ne n'allons pas à Ravenholm. A plus.